Ça va faire le Québec bashing. Même Justin Trudeau l'a dit. Imaginez, il a même fini par se tanner lui aussi. On en parle avec Paul Saint-Pierre Plamondon et Jacques Medicine Bienvenue à enfin, tout le monde en parle. Paul Saint-Pierre Plamondon, vous êtes chef du Parti québécois. Jacques Medicine vous êtes chef du nouveau Parti démocratique. Depuis plusieurs semaines, Amir Attaran, professeur à l'Université d'Ottawa, accuse le Québec de racisme sur son compte Twitter. Selon lui, le Québec est un Alabama du Nord qui pratique le lynchage médical envers les Autochtones et les Noirs. Il prétend aussi que le Québec est dirigé par un gouvernement de suprémacistes blancs parce que François Legault ne reconnaît pas le racisme systémique. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, vous avez porté plainte contre le professeur. Auprès de l'Université d'Ottawa, c'est comme ça que ça a commencé. Oui. Qu'est-ce que vous demandiez au juste? L'intervention de l'Université pour que cesse cette diffamation-là envers les Québécois. Puis des excuses. là. Euh, des fois, on envoie des erreurs sur les médias sociaux. Puis qu'est-ce que font les gens? Bien, ils effacent, ils s'excusent. Mais ce qu'on a vu, c'est l'inverse, malgré des accusations aussi graves que le suprémacisme blanc. D'ailleurs, mon parti a été accusé de ça. Je me suis fait traiter de cerveau desséché. Oui. Ça tendrait à des excuses. Puis en fait, ce qu'on a vu, c'est une université qui se ferme les yeux. Des institutions canadiennes, dont certains partis politiques, qui cautionnent indirectement ces propos-là. Et moi, ça me fait dire qu'il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'il y a des formes de discours haineux, d'intolérance, qui sont permis au Canada parce que ça vise les Québécois, puis ça, c'est pas grave. Et moi, je pense que les Québécois ont droit au respect. Ils ont droit au respect de leur démocratie, de leur choix. Puis on n'a pas de raison d'accepter ça. OK. Le recteur de l'Université d'Ottawa, Jacques Frémont, s'est dissocié des propos du professeur. Il a refusé de les condamner ou d'intervenir pour les faire cesser. Parce qu'il prétextait le droit à la liberté d'expression. Vous-même, euh, vous avez plaidé pour la liberté d'expression et la liberté académique dernièrement. C'est quoi la différence? La différence, c'est entre la diffamation et le discours haineux, puis la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est que toutes les idées ont le droit d'être mentionnées, les œuvres, les mots. Tant qu'il n'y a pas d'intention haineuse, tant que ce n'est pas du racisme, il faut laisser la libre circulation des idées. Okay. Maintenant, quand c'est des propos diffamatoires, dont l'intention, c'est explicite, suprémaciste blanc, nazi, des bons à rien, des retardés, ça, le droit le dit déjà que ce n'est pas permis, ce n'est pas une forme de liberté d'expression ac... acceptable. Et ça, l'université le sait très bien. Elle choisit de ne pas agir parce qu'il y a deux poids, deux mesures. Quand c'est le Québec bashing, ce n'est pas grave et moi, je ne l'accepte pas. Et vous vouliez seulement qu'il s'excuse? Qu oui, Sortir puis que l'université intervienne en disant, Arrête. Ben moi, je l'aurais obligé à venir lire ses tweets sur scène du spectacle de la Saint-Jean sur les plaines d'Abraham. <laughs> Là, on aurait eu une vraie conséquence. Monsieur Sind, l'automne dernier, vous étiez d'accord avec la suspension de la professeure Virushka, lieutenant du Val, qui avait prononcé le mot en haine dans un contexte académique. Est-ce que vous croyez que l'université d'Ottawa aurait dû sanctionner ou suspendre Monsieur Attaran? Donc, premièrement, je veux dire que je, je ne suis pas d'accord avec les propos de M. Atterin. Ce qu'elle a fait, effectivement, euh, c'est de présenter quelque chose qui soulève des douleurs pour les Québécois et les Québécoises. Le fait que les Québécois et les Québécoises étaient vi euh, victimes, euh, ils ont vécu la discrimination historique et quelque chose qui continue. Mais pour la question, euh, je pense que c'est un danger pour les politiciens de se mêler dans comment les institutions d'éducation gèrent leurs affaires. Donc, en général, je pense que ça doit quelque chose qu'on laisse les institutions de gérer. Bien, pourquoi vous êtes intervenu euh, dans, le, dans le propos de Mme euh, Verouchka, euh, lieutenant Duval Pourquoi vous avez pris position? C'est la même chose? Donc, dans ce cas, je pense que les mots qui blessent... Donc, ce que j'essaie de faire dans ma vie, j'essaie je toujours de retirer des mots qui blessent. Donc ouais. on sait qu'il euh, y a des mots qui blessent les Québécois Québécoises. Il y a un mot en, en F ouais. euh, qui était utilisé souvent, un mot en anglais pour grenouille, qui était utilisé par exprès. Pour humilier les Québécois et les Québécoises. Ces mots, on ne doit pas utiliser. Non, mais ce que dans je dis dire, c'est la même chose, suprémaciste blanc ou le mot en haine Je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas intervenu de la même façon dans les deux cas. Donc, donc je, je vais être clair. Euh, je ne suis pas d'accord avec un provocateur et je pense que le but de ça, ce n'est pas de rassembler les gens ce n'est pas un, un but de crier de des ponts. Et pour moi, c'est toujours mon but. Comment on peut travailler ensemble pour mettre fin à la discrimination contre les francophones, contre les Québécois, aussi à la discrimination de le racisme systémique qui existe aussi. OK. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, on a invité Monsieur Attaran ce soir. Il a décliné parce que l'émission est en direct et qu'il juge que sa maîtrise du français n'est pas à la hauteur pour participer à un débat. Je souligne d'ailleurs qu'il vous a qualifié de cerveau desséché, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. S'il avait été présent ce soir, vous auriez aimé lui dire quoi? Sans sacré, s'il vous plaît que les Québécois ont droit à leur propre décision, qu'on n'a pas accepté la haine constante dans notre histoire. Et c'est une question de vivre ensemble. C'est là que Monsieur Singh et moi, on a deux visions différentes. Il a la vision canadienne où c'est vraiment comment on se sent, qui on est, est-ce qu'on est, qu est euh, racisé ou pas. Alors que dans la mentalité québécoise, moi, on peut utiliser le mot frog, là, puis ça m'énerve pas. Je veux juste que le vivre ensemble exclue les discours haineux, peu importe c'est qui. Pour moi, les Québécois sont Québécois, peu importe leurs différences physiologiques ou leurs autres différences. Et euh, c'est une question de vivre ensemble, de règles communes. Et donc, j'aurais rien dit de spécial à M. Attaran parce que ce pas lui qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que des institutions comme l'Université d'Ottawa ferment les yeux en sachant que ce n'est pas acceptable, puis en sachant que le Québec bashing est une réalité depuis des décennies qui définit la place du Québec dans le Canada depuis. Le temps de mon grand-père, mon père, est-ce que c'est ça qu'on veut laisser aux prochaines générations? C'est pour ça que moi, je rêve à un Québec qui est indépendant, puis dans le cadre duquel on ne sera pas classé par identité ethnique, identité raciale, mais on sera tous Québécois avec des règles communes qui s'appliquent à tous en tout temps. Mais excusez-moi, euh, ma naïveté, mais si quelqu'un dit publiquement que les Québécois sont des suprémacistes blancs ou encouragent le suprême, oui. ce n'est pas légal. C'est la diffamation, c'est ça la différence bon, entre mais... la liberté d'expression. Mais est-ce que j'ai besoin de poursuivre? Il m'a traité de toutes sortes de noms. Je, René Lévesque s'est fait traiter avec Camille Lorrain, de nazi, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard. Mais je veux pas avoir à poursuivre en diffamation. Je veux que l'institution qui s'appelle l'université dise, moi comme employeur, je n'accepte pas que ma réputation soit souillée par des discours haineux comme ceux-là. Malheureusement, au Canada, il y a une forme d'acceptation du Québec bashing parce que Atarane dit tout haut. Ce que plusieurs Canadiens pensent tout bas, les médias canadiens nous le disent depuis des décennies. C'est pour ça que moi, je dis qu'il faut en sortir. Si Monsieur... on veut donner d'autres choses à nos enfants que le mépris, il va Monsieur... falloir se doter de notre propre pays dans le cadre duquel on fera nos propres décisions. Monsieur Singh, le député néo-démocrate d'Hamilton Centre, Matthew Green, a salué les propos d'Amir Ataran. Il a félicité de résister aux racisme qu'il voit se perpétuer au Québec et vous avez refusé de le réprimander. Pourquoi j'ai eu une conversation avec mon député parce que je pense que le professeur terrain été, est provocateur et mon député est tombé dans le piège. Et j'ai dit euh, comment le Québec se sent parce qu'ils ont vécu la discrimination. J'ai parlé avec un collègue qui ouais. m'a dit que son père se rappelle de comment tous les ouvriers dans un, euh, dans un milieu de travail étaient francophones, québécois, québécoises et tous les boss étaient anglais. Ouais. Et, et c'était quelque chose... Pas longtemps, c'était dans la vie ouais. des, des gens maintenant qui se souviennent de tout ça. Donc j'ai eu une conversation, j'ai parlé avec lui, j'ai expliqué tout ça. Et pour moi, c'est plus important d'avoir une conversation où on peut euh, améliorer la connaissance, la compréhension, la compassion au lieu de punir. Donc on a eu une bonne conversation. Non, mais, donc s'il vous a compris, j'imagine qu'il va le dire éventuellement au public. Il, il a faut... déjà donné une déclaration euh, il y avait une semaine. Et il a dit que euh, c'est complètement fausse l'idée que tous les Québécois et Québécois sont racistes. C'est fausse cette idée. Et il y a plusieurs alliés au Québec qui militent contre le racisme systémique. Et ensemble, c'est seulement la seule façon de faire face à la discrimination franco euh, francophone ou discrimination contre le Québec ou euh, contre les races. C'est en travaillant ensemble. Amir Ataran a refusé de se rétracter ou de s'excuser parce que le Québec est la seule province canadienne qui nie l'existence du racisme systémique, alors que selon lui, c'est un fait et non une opinion. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, vous n'adhérez pas à la notion de racisme systémique. Pourquoi? C'est une réalité qui est pourtant documentée. Le racisme est une réalité, puis contre laquelle il faut travailler tous ensemble dans la lutte contre le racisme. C'est essentiel pour une société d'être égale devant la loi, d'être juste. Maintenant, le racisme systémique est lié à une idéologie. Une idéologie dans le cadre de laquelle on trie les gens par appartenance raciale, puis on regarde s'il y a des inégalités sociales et on conclut lorsqu'on voit des inégalités sociales que c'est forcément le racisme de la société. Même chose lorsque des gens ont du ressenti, on va conclure rapidement qu'il s'agit d'une autre preuve de racisme systémique. Bref, on simplifie les enjeux sociaux, puis la conclusion, c'est toujours qu'il y a du racisme. Moi, ce qui m'inquiète dans cette notion-là, c'est le fait que les solutions proposées, c'est davantage d'identité raciale, davantage de classement par. Ouais. Puis, ça m'inquiète également de voir comment, dans les universités, cette idéologie-là s'impose par l'intimidation, parce qu'on l'a vu cette semaine. Si tu poses des questions ou tu es en désaccord avec la notion de racisme systémique, cette simplification-là des enjeux sociaux, tout de suite, tu es classé comme raciste, comme Mais... suprémaciste blanc. Cette forme d'intimidation-là, à mon avis, est inacceptable. Mais, est... Mais vous, vous ne parlez pas de racisme systémique, vous parlez de racisme institutionnel. Oui. On joue avec les mots. Non, pas du tout. Parce que dans le racisme systémique, on blâme le système. Mais oui, Quel puis là, on système? blâme les institutions. On peut la cibler. Donc, moi, l'institution de l'Université d'Ottawa, à mon avis, en ce moment, cautionne une forme d'intolérance envers les Québécois. Je peux le nommer je peux te dire qu'est-ce qui se passe puis je peux proposer des solutions à ce sens-là. Lorsqu'on donner... blâme le système en général, malheureusement, ça donne des solutions comme des programmes sociaux par identité raciale. Je pense que c'est la mauvaise direction. Ça ne nous amènera pas vers plus de paix sociale. Monsieur Singh. Je peux donner un exemple clair. Euh, ce qui s'est passé ici au Québec contre les Québécois et Québécoises était la discrimination systémique dans l'éducation, dans le milieu de travail, dans les opportunités d'avancer dans la carrière. C'était systémique dans le système. Ouais. Et les Québécois et les Québécoises ont créé maintenant une société où ils ont fait face à ce défi. Dans la même manière, euh, quand on parle de communautés autochtones, le fait qu'à Montréal, à Ottawa, à Toronto, on a accès à l'eau potable, mais pour les communautés autochtone, ils n'ont pas accès à l'eau potable, c'est un exemple d'un système qui favorise ou qui défavorise. Les communautés autochtones, ça c'est une question de système. Mais, M. Singh, laissez-moi vous poser cette question-là. Pourquoi alors vous avez traité un député du Bloc de raciste au nom de ce concept de racisme systémique? Pourquoi les, ceux qui soutiennent cette notion-là disent que la loi 101, c'est du racisme? Disent que la loi sur la laïcité, c'est du racisme? Disent qu'en fait, toute contradiction par le Québec du modèle canadien multiculturel, c'est du racisme? c'est qu'on ne peut pas conclure tout le temps au racisme, puis le Québec peut arriver avec une autre vision de la société qui pour autant ne sera pas une preuve de racisme systémique. C'est ça, moi, mon enjeu. Vous répondez quoi? Oui, donc euh, quelque chose. Euh, la loi 101, on, on appuie ça. C'est important de mettre en œuvre la loi 101. C'est une façon concrète de protéger la langue française et on appuie ça. Donc, euh, on a plusieurs exemples d'un système euh, dans l'éducation, dans le système de justice où... C'est clair que les communautés autochtones, les personnes racisées sont ciblées. Dans le cas de, de l'insulte, euh, dans, dans la question de l'insulte, ce que je, je dis, euh, dans ce cas, j'étais émotif. C'est clair parce que dans ce cas, cette députée a, a pesé sur mes boutons euh, avec un geste. Et de la même façon, quand quelqu'un se sente, quand quelqu'un cible le Québec, euh, c'était quelque chose d'émotif. Mais je pense et je dis clairement, on doit dépasser des émotions et avoir une conversation rationnelle et parler ensemble et avoir une, une euh, approche pour rassembler et rapprocher les gens. C'est toujours euh, le meilleur. Vous répondez quoi aux Québécois qui trouvent que la gauche canadienne défend toutes <laughs> les minorités, sauf les francophones? Euh, je dis que comme chef d'une partie fédérale, je défends toujours... La langue française et les Québécois et Québécoises... Pourquoi vous ne condamnez pas peur. les propos de votre député? Euh, j'ai déjà dit. On a eu une conversation. Et pour non, moi, vous ne le condamnez pas publiquement. C'est important d'avoir des conversations, de créer des ponts. Et j'ai eu une bonne conversation. J'ai expliqué comment les Québécois et Québécoises se sentent quand quelqu'un fait ça. Euh, les propos d'Atlan commencent à ne créer pas des ponts. Et ça euh, crée une situation où on divise la population. On a une façon de travailler ensemble et j'ai toujours exigé qu'on trouve ça. Le tout respectueusement soumis, à avoir des conversations, moi j'en ai plein des conversations. Mais quand on veut qu'un comportement cesse et qu'on est vraiment dédié à ça, on est cohérent, puis on dénonce les propos, puis on demande des excuses formelles. Ce n'est pas ça qui a été fait. Puis moi je pense que ça parle de l'historique du Québec dans le Canada. Il n'y a rien de neuf, c'est juste que ça s'est transformé un peu dans des thématiques nouvelles, mais c'est le même Québec bashing qu'il y a 10, 20, 30, 40 ans. Monsieur Singh, les élections seront sans doute déclenchées au cours des prochains mois. Le NPD n'a qu'un seul député au Québec, Monsieur Boulris. Votre position dans l'affaire à Taran peut donner l'impression que vous avez décidé de sacrifier le Québec. Pensez-vous avoir gagné ou perdu des votes cette semaine ici? Pour moi, je ne prends pas l'appui des gens pour acquis. Et au Québec, je vais toujours travailler pour gagner l'appui des gens en, en montrant comment on défend les intérêts du Québec. Et comment on a montré déjà avec le fait qu'on a doublé la PSU, ça c'est quelque chose de concret pour aider les Québécois et Québécoises. On a livré l'aide aux étudiants, c'était nous qui l'a fait, et ça a aidé les gens au Québec. On a augmenté les subventions salariales, on a mis en œuvre un programme fédéral pour le congé des maladies payées. Donc à plusieurs reprises, on a on a montré avec des exemples concrets comment s'est battu pour les Québécois et Québécoises. Et je veux continuer de faire ça. Okay, On ne peut pas le faire avec une conférence de presse ou un interview. C'est un travail qui non, mais là, il y, y a une ambiguïté à régler là-dessus. De toute façon, M. Attaran va sûrement répondre cette semaine. Bien hâte de suivre euh, ce dossier. Merci, messieurs, d'avoir accepté Merci. Euh, mon invitation. Merci, Merci à vous.